Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 2 octobre, il est 10h06 du matin. Je sais, je me suis dit, est-ce que je vlog, est-ce que je vlog pas, je sais pas trop. Et puis finalement si, je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même vlogger. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes dimanche, donc le lendemain de samedi. Je n'ai pas vlogué hier, donc aujourd'hui il n'y a pas de vlog sur ma chaîne YouTube. Et je vous résume un peu ce qui s'est passé hier. Alors du coup, hier, on s'est levé. Normalement, on était censé avoir une soirée avec Cédric et Sylvie, mais finalement, vu que Laura est malade, Sylvie était malade vendredi, mais samedi matin, ça allait mieux. On attendait de savoir si Laura se sentait mieux ou pas pour faire notre soirée. Donc on était un peu dans l'attente et tout ça. Désolé, je suis allé dire aux enfants de se calmer un peu parce qu'ils étaient en train de foutre le bordel. Du coup, oui, on s'est levé le matin et tout ça. Ensuite, Laura s'est levée, elle est descendue, et du coup, j'ai regardé avec elle si elle était OP ou pas pour ce soir. Elle m'a dit le problème, en fait, c'est qu'elle n'a plus de fièvre, mais elle a super mal à la tête, mais vraiment très très mal à la tête et tout. Elle m'a dit, moi j'ai envie de la faire la soirée, mais ça va être compliqué après, mais elle a pas envie de nous embêter et tout ça. Je dis, écoute, on verra à 14h si tu te sens mieux ou pas, de toute façon. Moi, en attendant, du coup, je suis allé sur l'ordi, donc j'ai pas travaillé en soi, parce que j'avais pas de vlog à monter, rien du tout, et tout, je l'ai fait scam d'avance. Mais il fallait que je travaille sur mon dossier. J'ai eu mon avocat au téléphone vendredi soir, qui m'a demandé plusieurs choses et tout ça. Mais vu que j'ai des nouveaux éléments qui sont rajoutés, des nouveaux tweets, des nouveaux trucs et tout ça, il faut que je remette à jour le dossier. Donc j'ai dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer tout en version papier. Et, mais vu qu'il y a eu des nouveaux tweets, il y a eu des nouvelles insultes, il y a eu du nouvel harcèlement et tout, rajouté au dossier et tout ça, grâce aussi à la plainte et tout. Donc en fait, j'ai beaucoup de choses à imprimer. Donc là, je suis en train de tout réimprimer de nouveau à zéro. Et comme ça, au moins, c'est fait. Oui, parce que je me défends. Contrairement à ce que les gens, peut-être certains, pensent. Non, je me défends, je paye un avocat pour ça. Et croyez-moi que il va y avoir des conséquences, hein, de toute façon. Parce que là, ça va beaucoup trop loin, de toute manière. Bref, dans tous les cas, alors... Hier j'ai fait ça, ensuite vers 14h j'ai demandé à Laura et elle dit oui mais je veux pas vous embêter et tout. J'ai dit non mais c'est bon, laisse tomber. Je dis laisse tomber, va te reposer et tout. Je suis quand même allé au magasin parce que je devais aller chercher 2-3 trucs du coup. Donc j'y suis allé et après je suis rentré à la maison. Ensuite on a regardé un peu la télé, les enfants aussi. J'ai fait à manger aux enfants. J'ai fait du riz, petit pois et steak caché. Et hachis en gros si tu veux. Et puis après le soir on s'est installé devant la télé aussi, on a regardé. Donc en fait hier il n'y avait rien d'exceptionnel. De toute façon on devait faire normalement la soirée, on l'a pas fait, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Et ça méritait pas forcément de vlogger. Je me suis dit ah, vas-y. Donc j'ai pas fait de live, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas joué à Warzone non plus. On s'est endormi vers minuit et demi je crois, quelque chose comme ça. On a regardé Once Upon a Time. Et c'était très bien, voilà. Et du coup ce matin je me suis levé, je me suis dit mais je vlog ou pas aujourd'hui? Et après je me suis dit si je vais quand même vlogger et tout ça, ça va être sympa. Donc je me suis levé avec les enfants. Là Laura je sais pas si ça va mieux ou pas. Je sais pas, on verra quoi elle se lèvera. Mais je me suis levé avec les enfants. Et puis là je suis sur l'ordinateur parce que j'ai fait mes 2-3 trucs sur mon jeu en ligne et tout ça. Et j'ai aussi continué mon dossier et tout. Alors ça prend beaucoup de temps, voilà. Je ferai payer ce temps. Quand on devra me payer des dommages et intérêts, je comprendrai tout le temps que j'ai passé là-dessus. Et je continue d'imprimer. Comme ça au moins c'est fait. Donc voilà un petit peu au niveau du programme. Donc là je fais ça. Après à midi, je vais faire de la soupe maison pour les enfants aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir si on va peut-être promener un peu, je sais pas trop. Je voulais aller chercher les champignons, mais à mon avis, il y a déjà tout le monde qui a ratissé. Tu sais, les gens, j'ai vu sur les groupes Facebook des mecs qui ont 2, 3, 4, 5, 6 kilos de cèpes et tout. Je dis ouais vas-y, moi j'en trouverai pas, ils ont déjà tout pris les gars. Enfin bref. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ce soir j'ai un live. C'est un live quoi déjà ce soir? C'est un live blabla? Je sais même pas. Je sais jamais en fait c'est quoi mes lives. Attends, c'est où? C'est là. Non, c'est un blabla ce soir. Voilà, j'ai un live blabla et puis ce vlog là a monté et tout tranquillement. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h13. Et j'ai continué du coup mes dossiers vu que ça avance très vite. Il faut que je fasse ça très vite aussi. Dienneuse, presque 300 pages. 250-300 pour 10 personnes. Sachant que j'ai dans mon dossier plus de 200 personnes contre qui il y a des plaintes et tout ça. Et beaucoup qui continuent tous les jours hein, actuellement, hein, bien évidemment. Papa. Oh la vache. Je crois qu'au moment de l'éval, j'étais fatigué. Au lieu de mettre 32, j'ai mis 35. Ah oui. Tu peux pas juste la signer? Yes. Vous avez corrigé en classe? Non, elle a dit de le corriger pour demain.
vais le corriger. Merci. Yes, bah tu corriges. Bon, du coup, je vais quand même mettre un t-shirt et tout. Hop, il faut que je fasse tourner les machines aussi. Là, j'ai un t-shirt qui est sec. Hop, faut que je plie le linge. Ouf, aujourd'hui, il y en a encore des choses à faire, je vais pas te mentir. Hop. Hop là. Ouais, je vais relancer des machines et tout ça. Je vais gérer un peu tout ça. J'ai passé un petit temps sur le PC pour faire ça. Parce que faut que ça se fait rapidement. Bon, j'aurais pas fini demain, mais du coup c'est en continu. C'est en flux tendu, tu sais. Voilà. Mais le problème c'est que vous me donnez du taf parce que vous m'en rajoutez tous les jours quoi. Hop, là aussi il faut que je vide le lave-vaisselle, je remplisse la vaisselle. Il faut que je prépare la soupe pour ce soir pour les enfants. Non, c'est bon, je le fais. Je prépare la soupe pour les enfants aussi. Oh, la soupe? Ouais, ce soir. Oui, ce soir. C'est la soupe aux légumes. Oui. C'est comme je savais. Et j'ai acheté des croutons en plus. Bah, c'est bien. Oh, c'est bien la soupe aux légumes. Bah oui. Non, il n'y a pas de batterie dans la tablette. Je la recharge là. Si je vous dis non plus avant, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Hein. Bah, tu m'en veux pas du non plus avant. Bah si. Ta sœur est venue plusieurs fois. Et je lui ai dit non, pas de tablette, il n'y a plus de batterie. Oui. Hop. Là, je lâche un peu le PC pour l'instant. Hier, j'ai vraiment pas mal avancé dessus. Blablabla. Ouais, blablabla, comme tu dis. Hop, je vais remonter ça. Si toi, envoyé ça, pourquoi tu le jettes dans la poubelle? C'est pour la police. Pourquoi? Ah, ils vont. Et après, ils vont les dire d'arrêter et de scanner. Et après, oh, c'est tout fini. Ouais. Mettre des chaussettes aussi, je vais mettre mon t-shirt. Et après, je vais ranger toute la cuisine comme ça, c'est fait. Et ça sera bueno. Ouais, pour l'instant elle dort encore, je la laisse dormir le plus possible. Parce qu'elle doit retourner au taf demain. Parce qu'elle retourne au taf. Bah oui, parce que tu connais. Ah bah elle voudra pas se remettre en arrêt de toute façon. Ouais, c'est Laura. Ouais. Qu'elle se repose le maximum quoi. C'est Gordon qui est en train de boire le bruit. Et il pleut un peu là, c'est chiant. La semaine prochaine, j'ai quoi comme rendez-vous? Qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous la semaine prochaine? Mardi, mercredi. Et t'as la commission jeunesse samedi prochain. Avec Malone. Vous avez la réunion de la commission jeunesse? Ouais. Samedi prochain avec Malone. Ah, c'est pas. Non, c'est samedi. Ah, le vendredi, vous êtes en cours. Vous risquez pas de faire une réunion. Ouais, mais là, ils ont. Stevie m'avait dit c'est le samedi matin. Je reconfirmerai avec lui, mais non, c'est samedi matin. Hop. Puis avec l'argent qu'ils ont gagné l'année dernière, ils vont se payer un escape game ou je sais pas quoi. C'est vrai ? Bah, c'est ce que Malone il avait dit, ouais. Avec l'autre. Ah, je rate pas la prochaine réunion. Bah, le truc, c'est que lui, les réunions c'était cet été et t'étais pas là. Donc, mais bon, après Malone il y était, donc on avait quand même qu'un quart qui représentait la famille. Ouais. Bon. Allons-y quoi, ranger tout ça, nettoyer tout ça, à faire du bien. Attends, par contre j'ai un peu faim aussi, je vais pas te mentir. Et puis à midi je sais pas ce que je vais faire aux enfants pour l'instant, prendre des pommes de terre ou un truc comme ça. Je vais bien voir, mais en tout cas, je suis assez content, j'ai bien avancé sur tout ça ce week-end, c'est vraiment cool. Et là j'ai ma facecam du jour, parce qu'il n'y a pas de vlog, qui est en ligne depuis ce matin. Parler de la VDI de Laura du coup, parce que c'est le sujet de la facecam, c'est elle parle du CBD mais c'est la VDI, donc c'est bien. Ouais, en plus ça marche bien la facecam, je suis content. Et la vaisselle, let's go. Voilà les amis, il est 11h32, je viens de finir de ranger la cuisine. Nickel. Ranger la vaisselle vidée, re-remplie, nettoyer le plan de travail, ranger 2-3 trucs qui traînaient, machin et tout, c'est bon. Là maintenant du coup j'ai des machines à plier. Dans les bacs et tout, et les enfants rangeront du coup leurs habits aujourd'hui. Mon dossier, faut que je le remonte pour demain. Hop, et puis Ibi a fait ses devoirs, c'est bon. Léo aussi, il a fait ses devoirs normalement pour la semaine. Je vais quand même vérifier, hein, mais normalement, il a fait ses devoirs pour la semaine. Mais je vais vérifier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier le linge là, qui est propre. Et puis les enfants qui se prennent la tête. Et puis après, j'irai voir si Laura est réveillée.
Genre lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui il m'a fait ci, lui il m'a fait ça. Hop. Allez. Bon les amis, 11h43, je viens de plier le résulin, j'ai relancé une machine, j'ai rangé la salle de bain. Ça va. J'ai bien avancé, je suis content. Merde, j'ai oublié de prendre le dossier. Faut que je range mon bureau aussi. Parce que du coup, avec tout ça, j'ai pas mal foutu le bordel sur mon bureau. Et là, je vais voir Laura du coup comment elle se sent. Bon, il est presque midi, ça va. Quelle histoire. Allez. Ouais, j'ai du rebout. Du coup, je m'en refaire sur le bureau. Bon, ça va, c'est pas trop le bordel, mais tout de même. Il y a quand même des trucs à ranger. Bon, leur tablette, là, ça donne quoi. 73%, c'est bon, ça recharge. Ah, je me suis pas brossé la barbe, ça se voit. Il y a des espèces de trous, là. Bon, les amis, il est actuellement 12h41. Les enfants sont écorés, ils sont en train de manger. Je leur ai fait le reste... J'aurais fait du bœuf, des émincés de bœuf, avec des spätzle. Mais du coup, en fait, j'ai pas cuit jusqu'au bout les spätzle, je les ai versés dans le bœuf que j'ai fait avec un bouillon de bœuf. Voilà. Du coup, les enfants m'ont dit, ouais, ils ont trop bon goût les spätzle et tout. Je dis, bah oui, tu m'étonnes. Bref, là, je suis remonté parce que je vais commencer à monter mon vlog. Déjà maintenant, parce que je veux voir un petit peu ce que j'ai raconté ce matin. Le torchon, quoi. Et je vais nettoyer ça pendant que je charge les fichiers du vlog du coup sur le PC. Alors les amis, je suis plutôt content parce que je suis allé sur le PC du coup pour monter mon vlog. Je l'ai monté jusqu'à maintenant, comme ça c'est fait. Et là j'ai pu avancer encore sur mon dossier et tout. C'est nickel. On fait les concours des maisons. Oui, regarde ma maison. Franchement, c'est nickel. Regarde la mienne, papa, elle est belle. Moi je suis en haut. Elle est jolie. Hein. Papa, elle est belle la mienne. Elle est toute rose. Bleu. Ah bah moi je serais pas rose, hein, mais t'as vu ma maison, elle est belle, hein. Papa, moi il est bleu aussi. Mmh. Et attends, viens, je te montre l'intérieur. Viens, je te montre. J'ai pas encore fini. Hein. Là, il y a l'escalier. Là, tu vas à l'intérieur. Là, il y aura la cuisine, le salon. Là, une petite salle. Il y a tout. Après, tu montes dans des escaliers. Là, t'as quelque chose pour regarder, tu vois quoi. Quelque chose pour regarder. Là, t'as un autre escalier, tu montes, tu montes, tu montes. Là, t'as plein de choses et après, il va y avoir un autre étage ici. D'accord. Donc, j'ai un beau espace. Mmh, un bel espace. Ouais, un bel espace. Voilà, une bonne chose de faite. Là, Laura, elle est en train de travailler sur sa VDI. Ça y est, elle reprend un petit peu, là. Demain, elle est censée aller bosser. Je dis, mais t'es sûr? Oui, c'est bon. Bon, avant que la batterie ne coupe, je disais qu'elle reprend petit à petit ses activités, là, mais bon... Je lui dis demain là le boulot, j'étais sûr, on me dit ouais c'est bon, elle dit j'ai pas de fièvre, je peux y aller. Ouais. On verra bien, hein. Bref. En bas j'ai fait pas mal de ménage et tout, donc là-dessus je suis plutôt bien. Donc c'est pas mal. Donc là je vais redescendre un peu. Je vais commencer à faire la soupe maison pour les enfants. Bonne soupe maison pour ce soir. Avec potiron, pommes de terre et carottes. Voilà, comme la dernière fois. J'ai acheté des croûtons hier, donc ils ont des croûtons et tout ça, donc ça c'est bon. Voilà, t'es bueno. Bon les amis, t'as tout le linge. Il est actuellement 14h46. Plusieurs enfants ont terminé leur temps sur la console. Il reste juste Théo. Les devoirs sont faits aussi. C'est bon. Léo s'est avancé pour la semaine complète parce qu'il veut les faire pour la semaine. Comme ça au moins il a plus rien à faire après. Vu que sa maîtresse donne pour la semaine complète. Alors on va passer à la spi. Vapeur. Hop. Et bah, je suis content parce que mon vlog est déjà monté jusqu'à tout à l'heure, hein. Enfin, jusqu'à avant, donc c'est bien. Hop là, il faut que je fasse la soupe aux légumes aussi. Je fasse la soupe de légumes. C'est quoi tous ces classeurs là? C'est ça, Laura. Téléphone, montre. Parce que Laura va faire sa commande tout à l'heure. Du coup, sur mon PC. Et je t'ai dit d'arrêter les bières. Ils sont malheureux ces gosses avec leur salle de jeu. Oh là là. Papa, j'ai du blanc. Du blanc? Ah. Hop. Ça, je prends ça. Je prends ça. Un blanc. Oh, il y en a encore. Puis après, je vais préparer les légumes. Sauf que je fasse en deux fois la soupe parce qu'à chaque fois, ils en mangent 10 fois plus. Qu'est-ce qu'il y a? Les huiles sont
Là. Elle est juste là. Ta merde, c'est mouillé. Bon, je viens d'aller dans les voitures, là. Enfin, tu sais, j'avais déjà fait, mais la DS, j'ai fait. J'ai pris sa poubelle, j'ai mis un peu tout ce qu'il fallait jeter, les bouteilles vides, les trucs que Laura le mettait quand elle avait le boulot, etc. Comme ça, au moins, c'est fait. Ouais, c'est un petit coup de nettoyage, là. Je vais sortir le compagnon. Je vais peut-être commencer à... On va faire la soupe de légumes. Bon, après, je peux la faire aussi. Ah, je vais peut-être la faire un peu plus tard. Comme ça, en fait, elle est déjà chaude. Et j'ai pas besoin de la réchauffer après la casserole. Ouais, je pense. Je la fais peut-être, ouais, ce soir, avant qu'il mange. Comme ça, au moins, c'est fait. La dernière fois, j'avais dû la réchauffer et tout. Et ça met du temps quand il y a de la quantité. À mon avis, je vais faire ça. Ce sera mieux. Bon, bah là, elle passe encore esprit, ça fait. Enfin, bref. Bon les amis, il est actuellement 16h13. Laura va sur mon PC pour faire sa commande VDI. Et puis là, je vous ai posé 4h. Et puis là, je vais commencer à préparer du coup la soupe maison. Ouais, ouais, la soupe maison, ouais. On va prendre des poivrons, des pommes de terre et... Oui, t'inquiète. Comme ça au moins c'est fait. Bon, la soupe maison est en cuisson, je le fais en deux fois, parce que les enfants consomment beaucoup de soupe, et en une fois, je sais qu'ils vont me redemander après, je peux en avoir, il n'y en aura pas assez, donc j'en fais en deux fois la soupe. Bon, en fait, petit rond de pommes de terre, voilà. Parce que là, j'ai les poivrons, mais ça va pas là-dedans, des tomates, mais non, pas de poireaux, pas de navets. Mais c'est très bien quand même, hein. Ça va très bien de toute façon. J'ai juste zappé, j'ai un rendez-vous demain à 14h30. J'ai regardé en fait la semaine, mais j'ai pas vu demain, parce que je voyais la semaine complète. Et du coup, il faudra juste que j'aille à ce rendez-vous. Bon, c'est pas un rendez-vous très compliqué ou autre. C'est un bon rendez-vous d'ailleurs. C'est demain à 14h30. Mardi, j'ai rendez-vous pour Léo. Mardi soir, je suis censé faire une enquête avec Geoffrey. J'avais complètement zappé. Enfin, je suis censé. Je vais la faire d'ailleurs. Il fait quelle météo mardi soir. Parce que s'il flotte foison, ça va pas le faire quoi. Non, ça va. 20 degrés en plus. Waouh, trop bien. 20 degrés soleil. Bon, ici en tout cas, je vais voir Épinal.
Même si l'enquête n'est pas épinale, ouais, ça va, soleil, 20 degrés. Donc voilà, enquête de Ghost and Us, mardi soir, l'enquête de Ghost. Ouais, c'est bon. J'ai réfléchi pour les activités, juste Chloé a récupéré à 17h15. Mais ça va, c'est avant que Laura rentre, et puis dès qu'elle rentre, après je partirai chercher Geoffrey, et on ira faire cette enquête. Donc faut que je prépare le matos demain. Je prépare les caméras, les batteries, les cartes mémoire, le sac de Ghost and Us, tout ça, tout ça. Là, il y a Théo qui est à la douche, après les autres vont suivre aussi à la douche. Laura est en train de faire sa commande, je vais aller voir d'ailleurs si elle y arrive. Enfin, si elle y arrive, bien sûr qu'elle y arrive, mais je vais aller voir si y a pas de soucis et tout avec le PC, machin, parce que chaque fois qu'elle utilise un ordinateur, c'est compliqué. Et là-bas, j'attends que cette soupe, elle se fasse, comme ça, après, je verse dans le bol, et puis je lance une deuxième fournée un peu moins grande pour faire encore de la soupe. Et ça sera bien pour ce soir, j'ai des croutons, très important. Parce que Théo il fout dans la salle de bain là, parce que j'entends enfin, j'ai dû se dépêcher un peu parce que il met 30 ans sous la douche, comme tous les gosses d'ailleurs. Quoi? C'est que avant ce soir, je prends un bain. Ça fait hyper longtemps que je. Ah oui, les bains, oui, ça fait longtemps. Et vous pouvez pas tous prendre des bains, ça va être compliqué. Après, quand Théo a fini, ben, j'irai. Non, les autres prennent la douche avant. Ok, ben j'irai quand tout le monde va arriver. Yes. Bon, les amis, actuellement 18h28, les enfants ont terminé leur soupe. 3 litres de soupe. Ils ont tout terminé. Ils ont tout mangé. Voilà. Et là, du coup, Laura a fait sa commande. Hop, j'enlève ces trucs. Elle a imprimé un truc. Là, apparemment. Hop. Et je vais procéder au montage de mon vlog. Jusqu'à maintenant. Voilà. Avancer davantage sur ce Saint Vlog, n'est-ce pas? Bon, on n'aura pas de soupe. J'ai dit, alors tu manges ce soir? Elle m'a dit oui. Si je prendrais peut-être la soupe, j'ai dit ça m'étonnerait qu'il reste. Ça m'étonnerait grave. Enfin bref. Allez, c'est parti. Je vais charger les fichiers du vlog sur le PC. Et je vais continuer le montage que j'avais commencé tout à l'heure. Bon, une bonne chose de faite, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Et il est 19h. Donc j'ai pas fini de faire le vlog. Je continue de vous vlogger, bien évidemment. Hop. Oh. Il y a le chat qui veut rentrer, Jello, ce qui est pas rentré de la journée là, c'est bon, il veut rentrer. Eh, rentre gros. Allez, pichois. Il s'étire, tu sais. Oui, bah, eh oh, rentre, tu t'étireras après. J'ai envie de refermer, moi. Mais con ce chat, putain. Ah. Et l'autre. Ah oui, il y a ton frère qui est rentré. Il va chercher son frère, l'autre, tu sais. Donc ouais, c'est bien pour le vlog, c'est bien pour cette journée, les devoirs sont faits, les douches sont prises, là c'était Chloé du coup, et après Libby elle voulait prendre un bain, du coup bah Libby va prendre un bain, et après ça sera Théo, Léo, Chloé en prendront aussi les jours qui suivent et tout, on peut pas faire le bain ce soir pour tout le monde, c'est juste pas possible, ça prend beaucoup trop de temps. C'est le retour des bains, hein. Ça faisait un moment qu'ils prenaient plus de bain, mais là du coup, bah, vu qu'il refait un peu plus froid, bah, ça va mieux, parce que bon, quand il fait 40 degrés ou 30 degrés, prendre un bain, c'est pas ouf, quoi. Et pas te mentir. Ah, faut que je vérifie un truc aussi, ce PC-là. Je vais aller revérifier avant de redescendre, et puis après, je redescendrai. Et puis, je remonterai tout à l'heure, quand les petits iront au lit, pour continuer de monter ce simple. J'ai contacté Geoffrey pour savoir s'il voulait jouer ce soir, parce que ce soir, j'ai mon live. Généralement, quand j'ai un live, je joue après. Mais il m'a pas encore répondu. De toute façon, il est con. Il a un rythme de sommeil extrêmement décalé. Il dort la journée, il joue la nuit. Il m'avait répondu ce matin à 6h du mat. Et là, depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc, je verrai s'il me répond d'ici soir. S'il me répond pas, bon, tant pis, j'irai pas jouer. Et s'il me répond, bah, je jouerai. On verra bien. Ah, allez, j'ai pas accès. Après, il m'envoie un truc, mais j'ai pas l'accès, moi. J'ai pas abonné et tout. Sur Facebook. Ça peut pas, je peux pas l'ouvrir. Hop, bon, la prochaine semaine qui arrive, ma foi. Ah bah il vient de m'écrire. Il est réveillé. Je dis à Geoffrey, j'ai un truc dans les cils. Il vient de m'envoyer avec plaisir. Qu'une grimace. J'ai dit il est réveillé. Oh bordel, sacré Geoffrey. Ah, j'ai dit oublie pas. Je me suis réveillé à 5h55 ce matin. Waouh. J'ai mardi soir enquête, oublie pas, je serai sur Épinal vers 18h45. Ouais, prochaine enquête de Ghost. Donc la semaine prochaine. Alors demain,
pas oublié, t'inquiète. Donc la semaine prochaine, alors demain j'ai rendez-vous à 14h30, mardi j'ai rendez-vous pour Léo à 14h, mercredi, mardi soir j'ai l'enquête de Ghost and Us, mercredi j'ai rendez-vous à 17h45 pour Chloé, mais aussi du coup Chloé à 17h15 pour l'école, Chloé école, je vais noter, mardi, jeudi, vendredi j'ai rien, et samedi c'est Libby qui a rendez-vous. Et ensuite la semaine d'après c'est un rendez-vous pour Théo. Donc voilà les petits rendez-vous qui sont pour l'instant programmés, pour l'instant, hein, sous réserve de nouveaux choses. Le cat qui m'a cassé les couilles, du coup j'ai pas redodo de la journée, ça me redonne un rythme. Oui, c'est sûr. Concha. Ah, les cats. Et là, du coup, sur YouTube, les revenus se sont clôturés pour ce mois-ci. Et ben, c'est ce que je disais à Laura tout à l'heure. J'ai fait en septembre, j'ai fait plus de revenus sur YouTube que j'ai fait en septembre 2021 avec genre 20%, 30% de vues en moins. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, j'ai un RPM à 12,11€. Donc c'est énorme, hein, le RPM à 12,11€. Hein, c'est... Tu regardes en août, il était à 9. En juillet, il était à 9 aussi. En juin, à 11. En mai, à 11. En avril, à 10. Et en mars, à 9. En février, 7. Ouais, bah, de toute façon, début d'année. Janvier, 5. Donc en janvier, en gros, mes vues rapportent deux fois moins en janvier que là, en septembre. Et en novembre 2021 de l'année dernière, il était à 15€. Et en décembre dernier, 15€ aussi. Pouf. Donc là, septembre, franchement, je suis super content des revenus de la chaîne YouTube. Après, j'ai eu des facecams qui ont vraiment bien marché. Même celle d'aujourd'hui, hein, facecam replay de live, 3000 vues là. C'est énorme. C'est énorme pour une facecam. Et hier, bon, bah, la facecam de Sean, elle a fait presque 7000 vues. Plus que le vlog en lui-même. Bon, bah écoutez, sauf que c'est une vidéo qui dure 44 minutes, donc elle, j'estime à peu près la vidéo sur Sean, la fée là, la folle là, qui a des petits problèmes anal, parce que qu'elle parle beaucoup de cul et tout, je pense qu'elle va rapporter environ 100 balles, facile, un peu, même voire même entre 100 et 120 balles à mon avis. Parce que 44 minutes, 7000 vues en une journée, ouais, je le saurai pas aujourd'hui, je le saurai de... Elle est sortie hier la vidéo, donc je saurai peut-être cette nuit, enfin demain matin quand je me lève, il y aura eu la mise à jour, peut-être, c'est pas sûr, on verra bien, mais je devrais avoir des nouvelles, ouais, demain ou après-demain, je saurai combien cette vidéo a rapporté, et encore, j'aurai que la première journée, j'aurai pas aujourd'hui, où il y a eu encore quasiment 2000 vues de plus, ou 1500 vues de plus. Donc les autres vidéos que j'avais fait sur les haineuses, j'avais fait à peu près, ouais, 60 balles, là je pense que je vais être facilement le double, à mon avis, il y a de fortes chances. Et le vlog d'avant-hier, pareil, il a bien marché aussi. Après, oui, il y a une baisse de vues sur les vlogs, hein, en un an, c'est évident, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a eu une augmentation considérable des vues sur les facecams. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est bon. Les vlogs où j'étais malade, c'est rigolo, la capture d'écran que j'ai mis. Enfin, la miniature. Ta-ta-ta. Même la vidéo avec Laura règle ses comptes, 5000 vues, putain, c'est énorme. Tac. Je regarde un peu les vues des dernières vidéos. Ouais, il y a des vlogs qui montent quasiment à 10 000, hein, mais ça dépend le sujet. Normal. Ça dépend vraiment le sujet. Guerre des voisins, par contre, ça vous plaît. Hein. J'ai vu quelqu'un qui m'a contacté en « Ouais, maintenant t'harcèles tes voisins. » Mais d'où j'harcèle mes voisins? Je vois pas ce que j'ai harcelé. Tout à l'heure, ils étaient dehors. J'étais à 1m2. Est-ce que je leur ai dit quelque chose ou autre? Pff, bah non. Pas du harcèlement, je rencontre juste du conflit, en fait. Tac. Elle a aussi guerre de voisinage, 8400 vues. Putain. Oh bordel. Bon, j'ai des tournages de vidéos exclusives à faire la semaine prochaine qui seront pas forcément en live et tout, donc ça va. Z-Event aussi, ça va. Ouais, j'ai abordé des sujets qui vous ont vraiment plu. Même Nikki Cosmetics, 5000 vues. Pas mal, hein. Bah, ma chère AJC, hein, 7000 vues sur la haineuse, là. Et AJC. Ouais, c'est pas mal. Hein. Balance ton youtubeur 2600. 10 000 vues. Le vlog sur les voisins. Dupont de Ligonnès 3000. Breaking News font pas beaucoup de vues par contre. Comment ça va? C'est cool. Même le live avec Miguel Anto 7300 vues, c'est ouf.
Magali Berda, Booba, 3200. Les vlogs travaux, hein, qui étaient assez longs, ont bien marché aussi. Ouais, beaucoup, j'ai beaucoup moins de vidéos react par contre. Ah, la vidéo sur Psychodélique, 3400 aussi. La vidéo sur Thibaut Inchep, 3200. Un vlog là, 11 000. Putain, c'est vraiment, il y a vraiment... Alors oui, c'est sûr que c'est moins de vues que l'année dernière, mais c'est pas mal, je trouve, quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai fait des bons revenus, parce que c'est des sujets qui sont bien, bien vus par les gens. Visiblement, je choisis des bons sujets. Bah écoutez, je suis content de ce constat. Voilà. Thank you.
Bon, il est 19h39 et je viens de monter l'autre séquence de mon vlog que j'ai tourné juste avant. J'avais pas prévu, en fait, je passais devant le PC, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, je vais monter le reste comme ça, c'est fait. Avec la petite séquence du chacha. J'ai failli sortir cette séquence du vlog, le foutre en facecam et publier là une facecam marquée « Un petit chat trop mignon !» Genre, aucun but à cette vidéo. Et je me suis dit « Ouais, non, faut pas non plus abuser. » Je suis très con, hein, je fais du contenu de merde, mais là, faut pas non plus déconner. J'ai une facecam comparé au tuto des nulos, c'est pas mal quand même. Hein. Mais bon, que veux-tu ? C'est comme ça. Bref, là, je vais redescendre. Hop, les petits vont pas tarder à aller au lit. Libby, elle doit être dans le bain, je pense, probablement. Juste éteindre la télé, là, parce que... Gamin, à chaque fois, ils éteignent jamais cette télé, tu sais. Elle reste comme ça, elle se met pas en... Il faudrait que je configure pour qu'elle se mette en veille toute seule, comme ça, au moins, c'est réglé, quoi. Oh là là. Pleut dehors ? Non, je sais pas, c'est de la pluie. Bon, me dis-moi pas qu'il pleut. Oh, vous me voyez pas, hein, je suis dans le noir. Ah ouais. Une pleutation, une pleutitude. Bon, bah écoutez, il pleut. Que voulez-vous que je vous dise? Et les petits chats, ils sont tous là, les petits chats? Oui. La position du teubé et la position du cats. La patte en l'air. En mode, hein? Ils sont débiles, ces chats. Oh, bordel de merde. Bon, je vais descendre. Let's go. Bon, les amis, il est actuellement 19h42. On était devant le poêle et j'ai dit à Laura, oh, vas-y, on va regarder la télé. Et on a utilisé notre droit à l'utilisation de la télévision, hein, parce qu'en fait, on la regarde quasiment jamais ici. À part le soir sur Netflix pour notre télé à nous. Mais cette grande télé, on ne l'utilise jamais. Je l'ai achetée pour les gosses, quoi. C'est vrai, hein. Et là, du coup, on regarde Cleaners. C'est clair que... Gordon. T'es bien allongé, là? Bof? Pourquoi? Bah parce que je suis bof, peu importe où je suis. Bon, les amis, il est actuellement 20h53. Et je n'ai même pas encore clôturé ce vlog. Il faut que tu t'en ailles, toi. Allez, je dois m'asseoir, moi. Toujours sur mon siège, tes chats. Allez, file. Voilà. Du coup, on a grignoté un morceau. Pour un tartare et tout. Et puis après, on a regardé, comme je vous ai dit, la théorie, on a regardé Cleaners. Et après, là, c'était Egan M6. Mais là, je peux pas continuer. Moi, faut que j'aille travailler. Donc, Laura, elle termine de regarder ça. Puis, je pense qu'elle montera avant mon live, à mon avis. Il y a de fortes chances. Bref, et la mère de Laura aussi passée pour apporter de la soupe. Parce qu'elle avait aussi fait de la soupe. Et apparemment, deux morceaux de gâteau, je sais pas quoi. Et puis voilà. Bon, j'ai monté le vlog jusqu'à tout de suite. Je suis allé vite fait jeter un oeil sur le live de Geoffrey. J'ai fait un petit coucou. Et là maintenant, il faut que je prépare le setup pour le live. Donc j'ai branché la caméra. Normalement, Twitch fonctionne. Parce que la semaine dernière, il y a eu un bug. Je vais mettre la caméra, la lampe. Hop. La caméra. La lampe. Ah. Oh putain, je suis lumineux. Je suis luminification. Luminage. Bref. Ouais, là, il y a live dans 15 minutes. Je démarre le logiciel de stream aussi. C'est un blabla, on va discuter. Il faut juste que je vérifie que je ne suis pas encore en live abonné, parce qu'à la fin, on a fait un live abonné. Et du coup, normalement, Twitch, il est intelligent. Une fois que le live se termine, il repasse en live normal pour pas qu'on oublie. Mais bon, je vais quand même vérifier. Il faut que j'enlève le chat spécial abonné aussi, que j'avais mis. Alors, modifier les infos du stream. C'est bon, tout le monde. Et le chat, il est en mode quoi? Toc, 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 toc. Non, c'est bon, le chat est accessible à tout le monde, donc on va pouvoir faire le live tout à l'heure. Ah, je me vois deux fois, je me vois dans cette caméra et je me vois dans ce... dans l'écran du PC, ça m'intimide, je me sens intimidé. Je me sens intimidation, intimiditude. Bon, je clôturerai probablement après le live. En tout cas, ouais, boulot ce soir et tout. C'est vrai que quand j'aurai fini à arrêter les réseaux sociaux et que je passerai sur mon nouveau taf... si je peux au moins vous dire ça, c'est que le soir, il n'y aura plus de travail. Enfin, plus. Il y,
n'y aura pas de travail comme ça le soir et tout. Ça va faire vraiment... ça va faire vraiment bizarre, du coup, de changer de rythme de travail, machin et tout ça, d'avoir un rythme qui sera d'ailleurs un rythme beaucoup plus régulier que mon rythme actuel, hein, ça c'est sûr, en même temps c'est pas compliqué. Moi, je bosse un peu quand je veux, un peu comme j'en ai envie et tout ça. Alors ça a ses avantages, certes, mais ça a aussi des inconvénients. Il faut aussi le dire, hein. Faut le savoir. On a aussi réservé, je vous avais même pas dit, en fait il y a Laura qui m'a envoyé une notif du spectacle d'Alban Ivanov. Je connais vite fait, parce que j'ai vu un film avec lui, je crois, ou je sais plus. Et c'est lui, je crois, dans le film que j'avais vu, je crois. C'était un film où il jouait un détenu. Ouais, Inséparable, c'est ça, avec Ahmed Silla, il me semble aussi. On l'avait regardé ensemble avec Laura. Ouais, c'est ça, avec Ahmed Silla. Après, moi, c'est un moi, niveau humoriste, j'en connais pas beaucoup, beaucoup. Je regarde pas beaucoup les spectacles, les choses comme ça. Bah, du boss, je suis allé voir en spectacle, du deux aussi, au milieu d'un champ. C'était très drôle. Bon, on se les gelait quand même. Hein. Je m'en souviens que on se les gelait pas mal. Maëva, c'était encore plus gelé que moi. Mais c'était voilà. Et là, Laura, elle m'a envoyé, elle m'a dit ah, il y a Alban Ivanov qui est en spectacle, il y a Colmar, machin et tout. Elle me dit ça t'intéresse et tout. Et j'ai dit bah. Je dis les enfants, les petits, je pense que ça risque d'être un peu compliqué pour eux de comprendre et tout ça. Je dis mais après, les grands, ouais. Je dis à voir, du coup, bah, je regarde pour réserver et tout, et hop, plus de place. Et du coup, bah, je vais voir Laura, et je lui dis, bah, malheureusement, il n'y a plus de place. Alors qu'elle avait déjà écrit à Malone en disant, ouais, on va réserver et tout, Alban Ivanov et tout. Et du coup, je dis, bah, non, il n'y a plus de place et tout. Et en plus, il a annulé, d'ailleurs, parce qu'il est malade ou je sais pas quoi, il a annulé. Et du coup, j'ai trouvé un autre spectacle à lui en novembre à Metz, et j'ai réservé, du coup. Donc, il y a Libby Malone, Laura et moi. Les petits ils seront chez mes parents, on montera en fait avec le Q7 avec tous les enfants et mon père les récupérera sur Metz, les petits comme ça, ils passeront un petit week-end chez mes parents et on va au spectacle d'Alban Ivanov. Ça risque d'être très sympa. Après comme je vous dis, les humoristes là, j'ai pas vu de spectacle de lui, mais je sais que Laura et Malone, ils adorent ces spectacles. Donc ça sera l'occasion de découvrir ensemble. Au début j'ai dit à Laura, oui mais il faut garder les petits et tout, donc allez-y vous. À Colmar ça va, c'est pas très loin. Et après, vu que c'était Metz et tout, je dis, bah, faut voir avec ta mère si elle peut garder les enfants ce soir-là. Je dis, au pire, je regarde avec mes parents s'ils veulent les avoir les enfants ce week-end-là. Et en fait, mes parents, ils veulent les avoir ce week-end-là. Et ça leur évite de faire le trajet. On est sur Metz, donc mes parents habitent à côté de Metz. Bah, autant faire ça d'une pierre deux coups, quoi. Donc, on ira voir Alban Ivanov, c'est le 18 novembre, je crois. Il me semble, hein. J'ai déjà réservé les places, il restait. Mais genre, 4 places côte à côte. Il en restait plus que 4 côte à côte. Tous les autres s'étaient dispersés. Donc, on a eu de la chance, hein. On a eu de la chance, hein. C'est au mois de novembre, je l'ai même pas noté, tu vois, c'est le 18, je crois. Donc là, par contre, ça va être la course, parce que le spectacle est à 20h30, Laura, elle rentre à 17h45 du boulot. Malone est là cette semaine-là, donc dès qu'on rentre, on part, en gros. Donc j'aurai déjà tout préparé et tout, les petits machins et tout, et puis dès qu'ils rentrent, on file illico pour aller au spectacle, pour aller à Metz, manger un petit morceau, hop, et puis aller au spectacle d'Alban Ivanov, et on rentrera du coup bah, le soir, dans la nuit et tout ça, pour ce week-end-là et tout. Mais ça va être cool. Moi, je vous dis, je connais pas plus que ça, Alban Ivanov. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou si vous aimez ces spectacles et tout. Moi, c'est pas... Moi, je ne sais pas. Au niveau des facecams, du coup, j'ai des facecams de prévu jusqu'au 6 octobre. Ouais, jusqu'au 6, donc c'est mercredi, je crois. Le 6. Non, c'est jeudi. De toute façon, la semaine prochaine, j'ai des vidéos de cigarettes électroniques à tourner. Elles seront en plus des facecams et en plus des vlogs, hein, vous inquiétez pas. Ça sera pas en remplacement. Mais il faut que je les tourne la semaine prochaine. J'ai aussi des podcasts sur des sujets que je voulais aborder. Du coup, ça sera exclusif. Mais j'ai aussi, je vais faire aussi des lives la semaine prochaine. Et j'aborderai des sujets de facecam en live, comme je fais en ce moment et tout. Et franchement, honnêtement, je sais que du coup, les gens qui regardent les lives n'ont pas d'exclusivité dans les facecam, dans toutes les facecam, parce qu'ils ont déjà vu en live. Mais honnêtement, vu les vues qu'il y a, vu l'engouement des gens de ce traitement en live, des sujets et tout ça, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Franchement, honnêtement, ça me fait pas gagner beaucoup de temps. Et je trouve que ça rajoute un plus parce que ça rajoute plus de contenu parce que je peux échanger avec vous, commenter. Donc, voilà, il y a un échange qui se fait avec vous qui fait que, bah, du coup, ça, je trouve ça agrémente vachement les facecams. Je trouve ça super sympa. Donc, je continue comme ça, mais je vous fais aussi des facecams exclusives et tout. Bien évidemment, sur divers sujets, des sujets divers et variés. Voilà. Bref, là, de toute façon, je vais couper cette caméra parce que là, il est 17, je lance le live dans 13 minutes. Je vais peut-être déjà monter cette petite partie-là pendant que je mets le live en attente. Et puis après, bah, je vous clôturerai après le live. Voilà, allez, des bisous.
bouteille au lit là. Tu t'es endormi. Faut aller au lit. C'était le gâteau de ta mère. C'est quoi la pomme? Il est bon. S'endormir dans son téléphone pendant mon live. C'est mignon. Hop, je mets ça là-dessus. Je vais mettre ça au frais du coup. Bref, le live est terminé. On a bien discuté, on a fait plusieurs sujets et tout. C'était vraiment bien. Et puis là, du coup, bah, je vais clôturer cette vidéo. Je vais monter la fin de ce vlog, n'est-ce pas? Et puis après, je vais jouer à Warzone et tout. Là, je vais l'accompagner au lit parce que là, du coup, elle va se rendormir. Bon les amis, presque 23h. Je vais me péter la gueule. J'ai réussi à réveiller Laura, elle est partie prendre sa douche, je suis resté avec elle. Elle aime pas prendre la douche toute seule, je suis resté avec elle. Puis là, elle va prendre son petit cacao et elle va aller au lit. Ouais, 22h45. Là, il s'est très bien passé. Pas un bannissement, même pas un quoi, putain. Je suis choqué, hein. Les Katsu qui sont là, qui dorment tranquille. J'ai déjà allumé la télé, parce qu'en fait elle déconne, les piles sont usées. Du coup ça allume plus la télé. Donc moi je l'allume avec le bouton en dessous. Là. Mais Laura elle sait pas faire. Elle sait pas qu'il y a un bouton en dessous. Donc je lui allume déjà, comme ça évitera de m'écrire ou de m'appeler en disant ah chérie, la télé s'allume pas. Il faut que j'achète des piles. C'est des petites piles, les AAA là. Et moi c'est surtout des AA que j'ai. Donc voilà, au moins c'est allumé. Et puis c'est bien. Bref, dans tous les cas, bah non, demain soir je peux pas faire de live. Ah oui, parce qu'il y a l'amour dans le pré. Ouais. Et mardi soir je suis en enquête. Prochain live le soir, ce sera probablement mercredi. Voilà. Bref, dans tous les cas, je vous clôture, c'est bon, trêve de discussion. Je pense que le vlog est suffisamment chiant et long là pour vous regarder. J'ai déjà fait la miniature d'ailleurs, c'est cool. Je vais aller terminer ce vlog, le rendre, et ensuite je vais l'envoyer sur YouTube. Jouer un petit coup à Warzone avec le Frigru. Et Stevie probablement parce qu'il m'a demandé si on jouait. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salutations.